J'ai besoin d'aide avec le câble est bloqué. Thank you.
Thank you.
point-là. D'accord. Parce que visuellement, je vois que tu le crames vraiment beaucoup. Oui. C'est presque trop. Je pense que c'est pour ça que... Enfin, souvent, par rapport à quand on les refait... Oui, oui. Je te demande si tu veux pas être plus timide. Il y a plein d'options, tu peux le faire, et je peux vraiment le laisser dans ça, parce qu'il faut tout essayer. Mais là, je me demande s'il ne faudrait pas le faire un tout petit peu plus timide de ce côté-là, pour que le public te voit. Mais un peu ça, pour que le public essaye, un tout petit peu plus timide. Les
qu'on revoie juste ta petite rigolade aussi. 1, 2, 3, parce que du coup tu t'es trouvé un petit peu à cheval, les jetés après ils étaient bien. Mais du coup les deux, trois premiers, il a fallu prendre un petit peu ça. Au lieu de ralentir après le dernier, celui-ci, ouais. J'en ai fait 6 stress. Oui. J'ai fait une espèce d'accélération. Ouais. On verra avec la... quand on aura fini de monter la pente. À ce moment-là. Et je trouve que ça t'a donné une accélération qui n'est pas forcément bonne pour le... pour la rivoltale. Ouais. Parce que tu la prends un tout petit peu précipité. On réécoute ça? Oui. Après ça, si tu veux, tu as celui-là où tu peux jouer et là-dessus, sur ces deux-là, en admettant que tu as vraiment un gros souci sur les trois arrêts, ce qui m'étonnerait. Oui, non, c'est... C'est deux ou trois, donc bon, il n'y a pas de gros... C'est psychologique. Oui. Mais comme on est vraiment appuyé sur le... Depuis le début, c'est un peu dommage à ce moment-là de basculer. Du trajet de ta pointe derrière.
Juste. Tu vois, si, même sur le troisième, si tu peux garder qu'il soit super croisé ou pas, je ne pense pas que ce soit très très grave ça. Qui te sert vraiment de balancier. Voilà. Oui, exact. C'est vrai que j'abandonne trop elle vite. Elle a tendance à redescendre un petit peu. C'est un peu dommage de ne pas aller jusqu'au bout du troisième. Et vraiment de remplacer au dernier moment en... Juste. Ouais. Tu n'es pas obligé de repiquer en deux. Oui. Ouais. En plus. Si tu veux de là, tu peux aller tac pour être déjà... dans quelque chose de décalé. Voilà. C'est, je disais tout à l'heure, c'est une recherche d'équilibre, mais on n'est pas forcé de le trouver à ce moment-là. Ouais. Ça, c'était super bien. Tac. Pas trop longtemps pour relâcher, en fait, après le tour. Bon, bah, je pourrais m'arrêter. Ça c'était bien aussi, ça c'était bien aussi. Là, la progression était super bien. Des quatre, un peu plus grand, un peu plus grand, encore un peu plus grand. Alors, quand oui. Je dis plus d'attitude, en fait, c'est qu'elle soit plus formée comme ça. C'est pas forcément plus haute. Et que tu aies une petite tendresse pour le pouce ton pied. Voilà. Juste, exact. Voilà. En plus, avec le pantalon, si t'es trop juste comme ça, ça me fait. Ça fait un. Et l'évocation des dégagés que tu adorais faire quand tu étais petit avec ton professeur. Juste. Alors, peut-être un tout petit peu plus d'égalité dans, voilà, entre le haut et le bas, dans les coudes, mais avec un. Oui, voilà. Ouais, c'est juste cette espèce de regard affectueux que tu as pour toi-même. Bien jusqu'au bout des petits orteils. Oui, t'es embêté pour celui-là. Oui. C'est déjà ce qu'on va avoir dans la. C'est déjà ce qu'on va avoir dans la lente. Juste. Ouais. Exact. Ça, c'était très bien. On joue. Oui. Ta-da-da. Et elle est là. C'est vrai qu'elle joue bien. Mais je recommence quand même. Ah, c'est super parce que vraiment, la cassure est super rapide. Et là, oui, là, musicalement, c'était beaucoup mieux. Parce que là encore, si t'es un tout petit peu vite, fais-toi plaisir avec ce passage des deux pieds derrière, là. Toc, toc, avant la prise de celui-là. Tu veux en avant. Oui. C'est peut-être pas suffisamment... ouvert dans la forme en fait. T'es peut-être un petit peu trop comme ça. Voilà. Ça te rappelle. Oui, ouais. Ouais, exact. Oui, ça aide en plus, ça quand même. Mmh. Bah, je pense que tu sais où sont tes genoux du coup. Plutôt que d'être dans un truc qui est très très cool, mais enfin pour le faire prendre dedans. C'est un tout petit peu long encore hein, dans la demi-pointe. Ouais.